Il est 8h20, j'avais envie de vous poser une question au préalable. Est-ce que vous avez faim? Vous n'avez pas faim? Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une horloge interne. À 8h le matin, vers 13h, vers 21h, mon ventre me dit « tu dois manger ». Et à chaque fois, ça me rappelle ma grand-mère qui me disait « un sac vide ne tient pas debout, donc il faut manger ». Et là, vous allez partager sans doute en fin de soirée avec nous un buffet, vous allez manger plein de bonnes choses, des croquettes, des insectes, voilà. Vous allez peut-être vite rentrer à la maison parce qu'il y a la babysitter qui vous attend, ou vous allez emmener votre amoureuse ou votre amoureux dîner en Paris pour finir la soirée. Mais fondamentalement, le problème, c'est que nous n'avons pas de problème pour manger tous les jours. Et moi, je vais vous raconter l'histoire des gens qui n'arrivent pas à se nourrir tous les jours. 3 millions de pauvres en France ont recours à l'aide alimentaire tous les jours. Et c'est à la fois un parcours du combattant, un système D et beaucoup d'humiliation. En 1997, je suis directeur adjoint d'un office d'HLM dans la Nièvre et je suis confronté aux gens qui ne payent pas bien leur loyer et leurs charges. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une volonté, c'est souvent la traduction de leur manque de ressources qui ne leur permet pas de payer ses loyers et ses charges. Et là, j'essaie de me poser la question, comment je peux aider ces populations et comment je peux aider l'office d'HLM à mieux engranger ses loyers. Et je commence à un peu me documenter et à lire notamment un texte de Engel, qui est un économiste allemand du 19e siècle, et qui dit quelque chose d'évident, mais les évidences sont parfois nécessaires à rappeler, c'est de dire que plus nos ressources sont fortes en proportion, et plus le budget alimentaire en proportion est faible, d'accord ? Plus on a d'argent, moins on dépense d'argent en proportion sur l'alimentation. Et inversement, évidemment, plus nos ressources sont faibles, plus la part que l'on consacre à l'alimentation en proportion est forte. Alors que le loyer, les charges de chauffage et d'assurance sont relativement stables, quel que soit ce qu'on rentre comme ressource. Et c'est là le nœud du problème, et c'est peut-être là le début de l'idée, c'est que je n'ai pas la capacité, malheureusement, d'avoir une baguette magique et de donner du pouvoir d'achat à tout le monde. Par contre, j'ai peut-être l'opportunité de travailler sur l'alimentation et essayer de baisser le coût de l'alimentation. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de dire qu'il faut créer une nouvelle forme d'aide alimentaire qui soit basée sur deux autres choses. D'abord, sur la notion de nutrition et de qualité de ce qu'on va manger, parce que manger, c'est du plaisir, parce que suivant nos cultures, on a tous des goûts, des dégoûts différents, donc il faut que les gens aient le choix. Et deuxièmement, travailler sur une notion qui est le don et le contre-don. Alors ça, c'est un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, qui a beaucoup écrit sur le don et le contre-don. Marcel Mauss, il dit, le don est agoniste, c'est-à-dire qu'on donne, on reçoit, et on doit pouvoir échanger. Et dans le modèle judéo-chrétien, caritatif que l'on trouve, on n'a pas la capacité, quand on est en difficulté, de rendre ce qu'on vous a donné. On baisse la tête, on dit merci, et on s'en va. Donc en 1998, dans la foulée, je crée une première épicerie sociale ou solidaire, ça peu importe le nom, à Nevers. Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire? Alors d'abord, c'est un petit magasin associatif qui ressemble à un magasin de proximité. On va y trouver des gondoles, on va y trouver une caisse, on va y trouver un rayon froid, un rayon fruits et légumes. Par contre, le public est un peu particulier. Le public qui va dans ces structures sont des gens qui sont orientés par les travailleurs sociaux du conseil général, de la ville, et ils ont deux critères d'accès. Le premier critère d'accès, ils ont moins de 5 euros par jour et par personne pour manger. Je vous laisse réaliser, hein, 5 euros par jour multiplié par 30, 150 euros pour manger par mois. Et deuxièmement, ils ont un micro-projet personnel. C'est l'idée, c'est de sortir de cette notion d'assistanat ad vitam aeternam que déplorent les Restos du Cœur, qui disent on a maintenant trois générations, on a les grands-parents, les parents, les enfants. Donc là, on a une sorte de CDD, c'est pas très beau, mais je pense que ça parle à tout le monde, avec une date d'entrée et une date de sortie. Qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui fait que la date d'entrée et la date de sortie, c'est le micro-projet. Par exemple, vous, monsieur, votre besoin, c'est de racheter un frigo. Il coûte 150 euros. Et dans cette épicerie, vous allez payer des produits, globalement, entre 10 à 30% de la valeur réelle. Quand ça vaut 1 euro, vous payez entre 10 et 30 centimes. L'économie que vous allez faire sur ce budget alimentaire, donc au mois, va vous permettre en 5 mois de pouvoir acheter votre frigo. C'est une sorte de micro-crédit inversé. Donc c'est quelque chose qui remet les gens dans une dynamique. Donc voilà le concept d'une épicerie solidaire. Il y en a 260 en France aujourd'hui. Et puis, bien, très vite, en avançant, on s'est aperçu que finalement, on avait les mêmes problématiques que les grands réseaux d'aide alimentaire français que vous connaissez, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours Populaire, la Croix-Rouge. C'est un problème d'approvisionnement. Et là, on marche un peu sur la tête.
On est dans un système de récupération. Alors on récupère des produits qui viennent de l'Europe, des excédents agricoles, on récupère des produits qui viennent des excédents français, on récupère des produits qui viennent des agroalimentaires. Vous savez, quand le fabricant de soda qui a un Père Noël le déstocke parce que le Père Noël n'ira pas jusqu'à la saison d'après et que ça lui coûte très cher à gérer. Il y a les enseignes qui écartent des produits parce que, ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait, on va tous chercher le produit au fond du rayon pour prendre la date la plus longue et qu'on laisse la DLC la plus courte devant. C'est très humain, on fait tous. Voilà. Et tout ça est dans un système de récupération. Et on est dans une schizophrénie. Parce que d'un côté, on dit aux gens, il faut manger combien de fruits et légumes par jour? Combien? 5, voilà, 5. Et en même temps, on leur donne des boîtes de conserve, du soda et des chips. Donc on est dans un grand écart perpétuel entre ce qu'il faudrait faire et la réalité de ce que l'on fait. En 2005, le ministre de l'époque commande une étude qui s'appelle l'étude ABENA, qui est publiée par l'Institut de veille sanitaire et qui s'interroge sur la santé nutritionnelle des populations qui ont recours à l'aide alimentaire. Et cette étude, elle est consternante. Elle dit que seuls 1,2% des gens qui vont à l'aide alimentaire consomment les fameux 5 fruits et légumes par jour. Les produits laitiers, les produits de poisson, qui sont des produits essentiels dans notre santé, donc la lutte contre le maladie cardiovasculaire, contre l'obésité, contre plein de choses, sont sous-consommés par les gens en difficulté. Donc on est dans un système totalement fou, où finalement on aide les gens, mais en fait on leur donne des choses qui sont très mauvaises pour eux. Donc là on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en 2007, un autre ministre, parce que j'ai vu beaucoup de ministres passer depuis 13 ans, un autre ministre me confie une mission en disant « Vous êtes malin, vous allez me faire un truc un peu rigolo, vous allez essayer de capter des fruits et légumes à Rungis. » Rungis, c'est le plus gros marché frais du monde. Il y a 1 800 000 tonnes de fruits et légumes qui entrent chaque année à Rungis. Et sur ces 1 800 000 tonnes de fruits et légumes qui rentrent, vous imaginez qu'ils ne ressortent pas tous vers nos assiettes. Alors pourquoi ? Pour des raisons de climat. En ce moment, on fait peu de pique-niques, on mange moins de fraises, elles sont moins goûteuses, il y a eu moins de soleil. Donc, trop surabondance sur les marchés, elles ne sont pas vendues, elles se détériorent, elles partent à la benne. Parce qu'il y a un problème de calibre, le concombre n'est pas parfaitement droit, il ne rentre pas parfaitement dans la barquette, et donc, du coup, le concombre est écarté. Parce qu'on nourrit des magasins très chics à Paris autour de la place de la Madeleine, et que s'il y a une petite tache ou un défaut de calibre, le produit est irrémédiablement écarté. Je vous ai amené quelques tomates. Alors là, je vais me faire un kiff. En général, les gens qui sont dans la scène lancent des tomates sur celui qui est sur scène. Je crois que ce soir, c'est une fois qu'il va faire l'inverse. Non, sérieusement. Vous voyez que ces tomates-là, il y en a quelques-unes qui sont abîmées. Donc celle-ci, on peut l'écarter. Celle-ci est parfaitement consommable. Donc qu'est-ce qu'on a fait en 2008? On a créé à Rungis ce qu'on appelle un chantier d'insertion. Le chantier d'insertion, c'est géré dans le cadre de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Et des gens me sont confiés par Pôle emploi, parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis au moins 2 ans, et on me les confie pour que je les remette au travail. Qu'est-ce que je leur confie comme travail? Récupérer, capter sur le marché tous ces fruits et légumes, les trier, donc ce que je vous ai dit, hein, enlever cette tomate pas belle et garder que les belles. 44% des produits sont récupérés. Vous imaginez la lutte contre le gaspillage, 44% des produits qu'on nous donne sont remis en circulation et vont être distribués, évidemment aux épiceries solidaires, notre réseau, mais également au resto à 33%, mais 67% vont aux banques alimentaires, Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Juif, Secours Catholique, Secours Islamiste, ouf, j'ai oublié personne, SAMU Social, Chorba, enfin tous ceux qui travaillent sur l'aide alimentaire. Et ça marche. Comment ça marche? D'abord, on a évalué avec un sociologue pendant 1 an la consommation des gens. Et on s'est aperçu qu'au bout d'un an, les gens... On avait multiplié la consommation des légumes par 30% et des fruits par 2. Donc, même si on partait de 1,2, évidemment, vous allez me dire, on partait de très bas, on ne pouvait qu'améliorer. Oui, vous avez raison, mais on a amélioré. D'ailleurs, l'étude ABENA 2 qui vient de sortir dit maintenant la consommation est de 6%. Vous allez passer de 1,2 à 6. Parce qu'on les rend accessibles, parce que des gens vont pouvoir consommer des fruits et légumes à un prix très très bas. Et puis on a développé le concept, on s'est installé à Marseille, à Lille, à Perpignan, demain sans doute à Lyon et Château-Renard, sur le même projet. Là aussi ça marche sur l'insertion. Pourquoi? Si demain l'un de nous devait aller à Pôle emploi, la première chose que fait le conseiller, c'est d'estimer ce qu'on appelle la distance à l'emploi, c'est-à-dire le temps qu'il nous faut pour retrouver du travail, pour basculer le jour J. Ce public est estimé à moins 2 ans. Nous, on retrouve une solution dans l'emploi au bout de 9 mois. Donc vous avez vite fait le calcul, je vois bien que vous êtes dans vos têtes en train de calculer. 24 mois prévus, 9 mois à l'emploi. Donc la collectivité, c'est-à-dire nous tous nos impôts, on a fait 15 mois d'économie et on a mis des gens dans le circuit qui vont pouvoir de nouveau reconsommer, repayer des impôts, vivre normalement. Voilà, ça marche, c'est important de pouvoir toujours évaluer, mais ça marche. Alors on a été plus loin, puisqu'on est un petit peu fou.
Vous allez goûter, j'espère, tout à l'heure, du jus de pomme qu'on a pressé pour vous ce soir, pour une cuvée, ça marche. On a fait des soupes que vous allez bientôt trouver dans des enseignes, celles qui sont les plus proches de vous, celles qui sont les plus simples, évidemment, votre marché le plus simple. Ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est simple, mais que l'économie solidaire est d'abord de l'économie, d'accord ? Et puis après, ça se construit autour de partenariats publics-privés. Je pense que la mission de l'État devrait être une mission régalienne, c'est de nourrir les plus pauvres et les plus en difficulté. Vous n'allez pas vraiment régalien, mais ça pourrait le devenir. Et puis vous avez la participation des entreprises avec qui on fait des belles choses. Et puis vous avez la participation de l'entreprise, qui fait, enfin l'association, qui fait elle-même ses propres activités économiques et qui génère des flux financiers. Voilà, tout ça c'est simple, il suffit de retrousser les manches et vous pouvez tous retrousser vos manches demain matin pour faire quelque chose. Merci à vous.